Avec LDLC.com, votre spécialiste informatique et high-tech depuis 1996. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour un nouveau déballage qui porte sur le Prolimatech Genesis. Donc c'est un tout nouveau radiateur qui était sous NDA jusqu'à aujourd'hui 15h. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, le prototype avait déjà été présenté il y a un petit moment par la marque quand elle avait été lancée. La boîte, toute blanche comme d'habitude, avec le gros logo Genesis. Et ici, on peut apercevoir la forme du radiateur. Donc c'est un radiateur qui est compatible 120 et 140 mm. La même chose. Et ici, on voit bien le radiateur. Alors, on va ouvrir la boîte pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord, le petit carton habituel. Alors, c'est un peu rangé n'importe comment, parce que le radiateur est déjà passé sur la table de bench, l'étiquette Prolimatech, les fixations AMD, le spacer pour 775 pour la backplate Intel, la fixation pour le processeur, les barres de fixation pour Intel, avec les vis, la notice bien entendu, 4 griffes pour les ventilateurs, et ici, les vis grises, et là, les noirs. Ce sont des vis pour les noirs qui permettent d'appliquer plus de pression et donc en théorie d'obtenir plus de performance. À l'intérieur, le radiateur qu'on découvre. Et voilà la bête. Donc la base, un peu cracra, il reste de la pâte thermique. 6 headpipes de 6 mm. Donc cela en forme de S, là la tour à la verticale. Donc fixation pour des ventilateurs en 140 mm ici et ici en 120 mm. La finition est bonne, comme d'habitude avec la marque. Bon, quelques ailettes étaient tordues, le sont encore, mais il n'y a rien de bien méchant. Le fait de pouvoir mettre du 120 ou du 140 mm, c'est un gros plus. Et surtout, il devrait être vendu un peu moins de 65 €, ce qui est très intéressant. Le format devrait lui donner de très bonnes performances, surtout dans un boîtier avec un gros ventilateur en extraction. Sur le dessus, éventuellement, pourquoi pas du semi-passif pour souffler directement sur les composants autour du socket. À voir dans notre test, aujourd'hui même.